Ok, alors je fais une petite vidéo, on est le 2 janvier. J'ai écrit une lettre tout à l'heure dans l'après-midi, un peu d'une traite au préfet. Bon, je l'ai un petit peu corrigée, mais ça fait 4-5 paragraphes, elle est très succincte. Je lui parle de ma découverte mathématique, la lettre que j'ai envoyée à Castex en février 2020, et puis de récemment ma découverte médicale. Donc là, on est en direct. J'arrive vraiment tout au sommet. En fait, apparemment, ça sort par. C'est-à-dire que ça arrête de monter. Enfin, ça continue toujours à pousser sur les côtés, mais ça sort par le milieu, en fait. Hein, parce que c'est des convolutions. Donc, il y a quatre quartiers comme ça qui tournent avec une qui descend vers le bas et l'autre qui monte. Et en fait, bon, c'est une spirale sur quatre étages qui, en montant, quand elle arrive en haut, elle fait un nœud, clac, paf, elle repasse en dessous et elle recommence. Elle fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc à la fin, elle recouvre, il y a plein de couches, plein de convolutions. Là, ça a mis des semaines et des mois. Hein. C'est super long. Et là, elle arrive vraiment au bout. Donc on voit bien, là, les cheveux, ils arrivent tout au bout. Mais en fait, ici, bon, ben voilà, il y a une partie là, une partie là. Là, ici, et ici, c'est la fin de la spirale. En fait, elle tourne comme ça. Il faut imaginer une patte comme ça qui passe dans une spirale à quatre niveaux et qui tourne sur elle-même et du coup qui entortille, donc là ça rentre à l'intérieur et là ça ressort de l'autre côté et ça tourne et ça rentre et ça tourne et ça rentre et ça tourne, ça rentre et ça tourne tout le temps, tout le temps. En fait, ça fait quatre quartiers donc. Et là on voit bien mon crâne, il est bien rond, donc elle est arrivée vraiment tout en haut. Hein. Bon, il reste encore un peu de plat ici, donc elle n'est pas encore tout à fait en haut. Et puis donc du coup ça pousse par en dessous. Donc je pense pas que ça va finir par se refermer comme ça. Ça va. Je sais pas justement, je me demande. Je me demande vraiment comment ça va finir. Je pense que ça va sortir au fur et à mesure, ça va se rapprocher, ça va sortir au milieu. Et donc là, on n'est vraiment pas loin. C'est pour ça que j'essaye d'éviter absolument l'expulsion, que j'arrive pas à la guérison, vraiment en fin de guérison, que je sois à la rue, parce que sinon ça va faire bizarre. Et bon, donc puis je voulais quand même arriver à un résultat un peu plus probant que celui-là, parce que je voulais envoyer, j'ai toute une série de photos depuis le mois de juin, hein, donc depuis les toutes premières que j'ai fait, où on voit que c'était vraiment tombé derrière, c'était plat au-dessus et puis derrière ça faisait une boule, et donc il a fallu que je reconstitue tout le circuit quoi. Et depuis 15 jours, 3 semaines, un mois, enfin jour après jour, je me sens de mieux en mieux. J'ai plus besoin, je ressens plus trop la faim. J'ai aucune, strictement aucune courbature, aucun. Bon, après, je fais pas beaucoup d'efforts non plus. Hein. Donc, mais bon, je sens. Après, il faudra faire des tests. Hein. Ça aurait été intéressant de faire des tests tout au long, de voir. Parce qu'au début, là, en juillet, j'étais vraiment mal en point. Hein. Et bon, j'ai senti ma forme revenir au fur et à mesure où mes cheveux revenaient, en fait. Hein. Vraiment. Et puis, une forme meilleure que celle que j'avais avant, puisque j'ai réglé des problèmes. De reins, d'articulation, dans tous les côtés. C'est surtout qu'il y avait un circuit vraiment qui descendait toute ma jambe droite jusqu'au pied, tout mon bras droit jusque entre mes mains. Donc ça ressemble à des. Il y a encore la cicatrice. Hein. Pardon. Non, si, c'est comme ça. Il y a encore la cicatrice, on voit encore la cicatrice. Donc jusqu'entre le pouce et c'était vraiment un circuit. Hein. Et dans l'autre main, il s'arrêtait au milieu. Et pareil, ça s'arrêtait dans la fesse. Et en s'arrêtant de l'autre côté, niveau gauche, il a descendu le rein. Donc le rein était descendu au moins de 5 cm, hein, 10 cm, c'était plus gros même. Quand je l'ai remis en place, il voulait pas. Ah merde, pas lui. Viens, qui revient. Viens là, viens. Kérosène. On va passer là-bas. Pendant 3 ans. Alors donc voilà, j'ai mis un peu tous les chefs d'accusation dans la lettre et puis en disant bon, j'ai pas fait de procédure parce que je préfère être pris au sérieux quoi, que la calomnie elle cesse. Du coup, j'ai pas envie d'entrer dans une lutte permanente avec l'État. Je préfère que l'État il comprenne un peu ma démarche et ce que je fais, ce que j'écris et ce que je dis, que je sois pas traité comme ça, comme un moins que rien. Donc là voilà, ça serait bien que ça arrive dans la nuit. Là, je vais essayer d'y aller au maximum ce soir jusqu'à 11h, minuit. Vraiment pousser le truc
ça se voit vraiment quoi. Mais là, j'ai l'impression que voilà, ça pousse, ça reste là au milieu et puis ça va sortir par milieu en fait. Tout en continuant à finissant à remplir en resserrant encore un petit peu. Et ça va finir par sortir par milieu. Mais là, on voit très bien que ça ressemble plus du tout à une calvitie. Hein. Mais c'est marrant, c'est tout plat, c'est assez laid quand même. Ça fait tout, tout. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, il est hors de question de toute façon, vu l'événement, déjà, je dirais d'une calvitie en plus derrière une découverte médicale. Donc voilà, hein, je pense pas que. J'essaye plutôt d'envisager les choses avec plus de sérieux, comment je vais pouvoir transmettre un peu tout ça, toutes ces nouveautés, toutes ces découvertes, comment je vais pouvoir le transmettre à bon escient, quoi. Ça se déroule correctement. On va voir, mais l'enjeu est de taille parce que c'est une question de santé publique et puis mon histoire d'espace-temps, ben, c'est un peu une question aussi de sens, forme, fonction, fait, fonction publique. C'est-à-dire que j'étais allé voir le mécénat. Un mécénat, c'est un financement de l'État pour intérêt public. Intérêt public. Donc si moi j'arrive à prouver que mon écologie sociale avec ma philosophie d'espace-temps, les sciences qu'il y a derrière, les découvertes qu'il y a derrière, même une question de santé publique. Hein, donc ça veut dire que. Ça veut dire voilà, c'est d'intérêt public. C'est pour ça que j'ai fini ma lettre. Bon, je l'ai enregistrée comme ça, je vais peut-être l'envoyer sur Freestyle TV. Ou à la fin, je finis la lettre en disant, je sais pas où il est, mon chien. Ah, il est là-bas. En disant, c'est regrettable de continuer encore à se tromper, quoi. Voilà, l'erreur est humaine, mais voilà, c'est un moment où. Et surtout si c'est d'utilité publique, quoi, que ça pourrait servir, je sais plus comment je vais formuler ça, l'administration, le contour de l'administration. J'ai sorti une phrase un peu. Donc voilà, c'est comme ça, vous êtes témoin, on est le 2. Il faut qu'ils arrivent rapidement, quoi, voilà, dans les jours qui viennent, là, vraiment. Je suis vraiment arrivé au bout. Ça se voit pas encore trop, mais on voit un peu au niveau de la couleur et de la forme, mais bon, je suis encore chaud, donc voilà. Dans les jours qui viennent, les heures qui viennent, ça me passe à mon dos. Dans les heures et les jours qui viennent, il faut que les cheveux, j'arrive, quoi. Comme ça, au moins. Il y aura une preuve, là on peut pas faire mieux comme preuve après, hein, que j'ai découvert quelque chose d'important. Donc voilà, c'est pour dire, pour finir la vidéo, 10 ans plus tard, voilà, en 2012, j'ai dit que j'avais trouvé quelque chose d'important, personne ne m'a pris au sérieux, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, 10 ans plus tard, voilà, je guéris d'une calvitie en retrouvant toute ma santé. Donc j'ai vraiment trouvé quelque chose d'important en 2012, voilà. Fin de l'histoire, quoi. Enfin, au début d'une autre histoire, mais en tout cas, voilà. Il y a un cycle qui a été franchi, quoi. Enfin, il y a une étape de franchi, hein, avec la guérison de cette galvice. Donc après, on va voir, justement, j'ai créé un peu ce média pour faire ça un peu en direct et voir comment va se comporter maintenant les institutions, quoi. Donc quand je dis les institutions, voilà, c'est pas simplement la justice ou les politiques ou la mairie, ou c'est aussi c'est la famille, c'est il y a plein de trucs, hein, les institutions, c'est aussi Super U. c'est devenu une institution, voilà. Donc on va voir comment ça va se passer cette année. Hein. Mais je sens que ça va être. Il va falloir lutter. Ouais. Je voulais commencer ma lettre comme ça. Vous êtes en guerre, je suis en lutte. Comment on fait pour essayer de s'entendre, hein. Et en fait, on est tous en guerre, quoi. On est tous en lutte. Hein. Donc, bon. Mais je pense que vraiment, on est vraiment en état de guerre, dans le sens où on n'a pas trouvé de solution pour le climat. Donc, la tension augmente avec les Chinois. Et je pense que vraiment, je fais aussi ça. Je me bats aussi vraiment pour faire entendre ma voix dans une période difficile de l'histoire, tendue, quoi, obscure, quoi. Donc, c'est important que je me sacrifie un peu. Voilà, bon bah on va voir, là c'est pas un sacrifice, si je guéris vraiment, c'est un super truc, c'est une super bonne nouvelle, quoi. C'est pour ça que je m'y attendais pas, c'est inattendu, mais j'ai vraiment envie que voilà, il y a quelque chose.
Bon bah voilà, à plus tard, salut, Freestyle TV.